des meurtres non résolus, des crimes presque parfaits, des enquêtes à rebondissements. Je vous propose de replonger avec moi dans les affaires criminelles qui m'ont le plus marqué. Il était 4 heures du matin, j'entends un cri. Et il s'est dit, de toute façon, comme elle m'a reconnu, je vais aller en prison. Et à ce moment-là, il a décidé de la tuer. Alors que les psys ont alerté et ont dit, il faut vraiment le surveiller, celui-là. En tant que parent, quand on vous a tué votre enfant, on ne peut pas pardonner. Je le lui ai dit d'ailleurs au procès.